non, mais j'ai peur que vous délaissiez le général. Non, non. Tu vois une femme dans le coin? Tu vois une femme? Nous intéressons en plus. Pas de femme? Retrousse ta jupe, tu verras, c'est pas une femme. C'est pour. Tromper l'adversaire. Tromper l'adversaire. Dis-toi que t'es gay. C'est pour ça qu'ils sont dans les dunes. Bah tiens. C'est plein de blancs partout dans les dunes. On en a vu hier soir. Ah bon? C'est plein de blancs. Vous avez vu être sollicité. Ah, il y en a partout. Il y en a même deux qui ont couché dans la tente où il n'y avait personne. Non mais on s'est inquiété, mais on l'entendait de loin. Ah, des tentes! Ils nous regardaient. Bah oui, c'est des tentes où on dort, attendez, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais tu nous as pas présenté l'équipe de tambour? Si, j'en ai dit un mot. On va en dire deux. On va en dire deux? Ok. Ouvrier la baguette, et il apparente en blanc aujourd'hui. Chef de musique. Un vrai, tous des musiciens. Donc si tu regardes bien les visages, c'est comme chez les pics. Tu retrouves, là c'est du logoff partout. J'ai mal compris là. Ah mais il y en a quelques-unes, mais elles restent parce que dans la culture maintenant. Ouais, c'est pour ça, t'as pas besoin d'autres. Non, non, parce qu'elle serait là, non, non, après là, on aura... Vous en faites un petit... Ah, oui. J'aime bien vous entendre. Voilà. Je dis ça parce qu'il est c'est un petit détail. Le réveil au bivouac. En fait, les musiciens servaient à régler la vie des campements, notamment à réveiller les soldats le matin. Donc voici le réveil au bivouac. Musique charmante, mettait de bonne humeur le soir. S'il ne réveille pas avec ça. Aller aussi à amuser la galerie, enfin en tout cas pour qu'ils évitent de boire. Bon, les musiciens jouaient, c'est les OGP. C'était la radio de. T'es à fond? Voici le rigodon d'honneur. Leur petit divertissement détendu. Encore un petit peu plus compliqué.
Regardez bien le jeu de baguette, voici le rigodon tapageur. T'es sûr que tu veux pas enlever? Enlève les sabres, ouais. Ouais, c'est juste ça. Ouais, ouais, ça va traîner par terre. Bah ouais. Baïonnette. Faut éviter de sortir l'étude à baïonnette, mais pas le sabre. On a pas le droit de les sortir à la base. Tu veux rien? Oui. Tu te présentes pas? La baïonnette, ouais, parce que faut pas que tu te blesses quand même. Ouais, mais tu vois, ce serait dommage. Je sais, clairement. Tu vois, j'ai dit. Quand tu es débrouillé, mais. Normalement, il n'y a rien qui touche, il y a les mains et les pieds. Si je viens, bon, allez, dis-toi, tout le monde, tu l'as fait devant le bon chef, devant le général. Allez, tu tombes. Allez, go. Regardez. Allez, dépêche-toi, sinon c'est moi qui te fais la terre. Ah non. Il essaye de faire, lui. Attends, on va quand même attendre. Il connaît bien. Allez, hop. Allez, allez, on fait bon. Les pompes. Allez, on fait les pompes. Bon. Hop. Oh, ouais, fais gaffe. Ouais, fais gaffe parce que je suis pas contre. Il réagit allez. Pas, c'est des poivreaux dans ton arbre. Allez, hop, bon, allez, on fait les pompes allez. Quand même. Allez, je vais t'arracher tout de suite. Ouais, allez, vas-y. 1, 2, 3. Tu vois, j'ai d'accord. Non, non, 4, laisse-lui faire. 5, okay. Et 7. Je me souviens, j'ai Frédéric qui avait mis sa tête. On l'a toujours. Tu refais un peu de... Oh, le genou par terre, normalement. Pourquoi tu lui as fait sans arrêt des pics, toi? T'es pas sympa. Bon, tu veux en faire 10, toi aussi? Non. C'est lui qui te l'a fait allez, faire. Tu peux partir. Non. Allez, Étienne, à toi maintenant. Étienne, Henri. Moi? Ouais, allez, 10 pompes. Allez, je regarde.
Non, alors moi j'ai pas. Ça parle beaucoup, mais t'as dit pas. Parce que j'ai rien fait de mal. Sinon, je prends ton scalp. Tu veux me scalper? Pardon, excuse-moi. Allez, deux chefs qui vont se battre. Ça y est, les scalpés. Bon, mais si tu m'as scalpé, je peux plus les faire dans ce cas-là. Non, si tu fais les faire avec ton chapeau comme ça. Non, non, je fais ça. Sinon, je suis pas prisonnier. Sinon, c'est ta sœur qui va faire 10 ponts. Ma sœur? Laquelle? Non, ta sœur à lui. Ah oui? Moi, ça serait pas ça. T'as à dire un verre. Justement, je ne fais pas dans ce cas-là. Bon, je voulais quand même vous féliciter parce que le tombage des tentes était pas mal fait. Même pas mal, même pas mal bien. Ah bah attends, moi j'ai les derrière, il y a un bleu à la fin, il m'a eu. Bah c'est dommage, dommage par contre, parce que... Pourquoi vous n'avez pas fait le chef? Je l'ai désarmé. Le chef, il était tous dedans. Attends, le commandant, je vais te montrer comment il était le commandant. Vas-y. Vous regardez faire. Non mais ils sont fous. Il disait, eh là-bas, ils sont en train de faire un défaire, le chef. Bon, il y a un moment, non, il faut aller dessus. Tu cherches, hop! On a déjà fait un peu. Moi j'étais derrière. Le commandant, on l'a déjà eu, c'est pas drôle. L'outil. C'est pas une pêche? Ouais, c'est une bonne idée. Non mais vas-y. Vous étiez 3, vous étiez 4 au total derrière. Parce qu'on en a désarmé 3. Désarmé 3 avec toi. J'étais désarmé en premier, puis après 2 autres. Et puis après, il y en a un qui est arrivé derrière. J'ai bien remonté les tentes, ils m'ont dit, elles vont pas faire deux fois la même chose. Soyez derrière. Alors dès que vous faites un petit tour de plomb, dès que vous arrivez avec des verres, vous mettez à la bouche, des nuées de moustiques.